Salut tout le monde, c'est Torgal, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis pas bien du tout. Ça doit s'entendre à ma voix. Aujourd'hui, on va terminer notre petite série sur les essais des Formule 1 de la saison 1988. Et on termine avec une magnifique voiture. La Williams numéro 5 de Nigel Mansell. Voilà. Alors, lors de ce championnat, Nigel Mansell avait terminé à la 9e place. Il avait marqué des points au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Et il avait marqué des points également en Espagne. Et le reste des autres courses, il n'avait pas fini. Ou il n'était pas entré dans les pilotes devant. Pouvant marquer des points. Excusez-moi, c'est très difficile à parler. Je sais pas si j'ai pas le Covid. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, on va regarder ça. On se retrouve dans les stands. On va mettre son partenaire de course à côté de lui. Et on va tester cette Williams. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans les stands. Au volant de la voiture de Nigel Mansell. Et avant de prendre la piste, je vais quand même vous raconter les deux dernières anecdotes de cette saison de Grand Prix de Formule 1 en 1988. Et la première anecdote est comique. Notre ami Stefano Moneda, comme je vous l'avais indiqué dans l'une des vidéos précédentes, lors du 3e Grand Prix de Monaco, avait été exclu pour ne pas s'être présenté un contrôle de poids de sa monoplace. Bon, allez. On va dire que c'était pas de sa faute. Il a peut-être oublié, je sais pas. Monaco, peut-être qu'il était au bar, au Sénéquier, ou j'en sais rien. Enfin, il devait manger des tapas à Monaco, ouais. Plutôt des huîtres. Donc ça, c'était à Monaco. Exclu pour un contrôle de poids de sa monoplace. Au 4e Grand Prix. Le week-end d'après, au Mexique, c'est là où il mangeait les tapas. Et notre ami Stefano, il n'a rien trouvé de mieux qu'il est d'être exclu à nouveau pour un aileron arrière non réglementaire. Alors ça, c'est pas de sa faute, le pauvre. C'est plutôt au team manager et à l'équipe des ingénieurs de ce problème est à mettre et pas au pilote. En tout état de cause, Stefano Moneda, deux grands prix de suite, deux grands prix exclus. On pensait l'affaire terminée. Eh bien non. Stefano arrive en France, au circuit Paul Ricard. Et là, rebelote, il rejoue 10 de nerf. Et à nouveau, l'aileron arrière non réglementaire, exclu à nouveau. Ça fait tâche, quoi, je veux dire. Pardon. Oh là là, c'est très difficile de parler. Voilà, donc ça c'était la première anecdote. Et la deuxième, c'est que au Grand Prix de Spa, 6 Grands Prix avant la fin du championnat, les deux Benetton Ford ont été disqualifiés pour avoir utilisé un carburant non conforme à l'époque. Alors, je ne sais pas comment ça avait pu se passer. Je n'ai pas les infos. Peut-être que vous les avez. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, ces deux Benetton disqualifiés pour un carburant non conforme. Et dans ce même Grand Prix de Spa en Belgique, Spa-Francorchamps, à l'issue de la course, McLaren remporte le titre mondial des constructeurs. Voilà. Donc, que dire de cette voiture, de la Williams FW12. Elle était pilotée par Nigel Mansell, qui avait été remplacé par la suite par Martin Brundle et Jean-Louis Schlesser. Et également par Ricardo Patrese, son coéquipier au sein de l'écurie. Donc cette Williams FW12 était équipée du mythique Judd V8, moteur 8 cylindres en position centrale arrière. Et elle était équipée de pneumatiques Goodyear. Et elle était aussi munie d'une boîte de vitesse à 6 rapports, incluant également une marche arrière. Allez, on va faire un petit tour sur ce circuit
On va voir ce que ça donne. On met le contact. On démarre le moteur. Je ne pars plus. Et appréciez la sonorité de ces voitures de l'époque. A tout à l'heure. On se retrouve juste après l'essai. Oui, on reverra un replay.
Ah, j'arrive plus à parler. C'est pas grave. Superbement agréable à conduire. C'est pas sur 4 tours qu'on peut la régler. Les pneus sont froids, je me répète. Mais bonne voiture. Et puis le Jude V8, impressionnant. J'ai les oreilles, elles sont calientes. Voilà, bon, bah écoutez, c'est sur cette vidéo que je termine ma petite série des tests des Formule 1 de 1988. Si vous avez envie de voir d'autres essais de certaines voitures, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'essayer de tester ces voitures. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et commentez-la. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien entendu, si vous aimez ce genre de vidéo. Allez, bye bye, je vais aller me soigner. Et bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.